Un instant. Patrimoine culturel. Bienvenue à tous à ce numéro de patrimoine culturel consacré à la découverte de l'initiation en pays gourmand. Et nous sommes avec un chef coutumier et nous allons lui laisser le soin de se présenter. Mesdames, Messieurs, bonne écoute à tous. On l'a on est tadano nasuli tadano yemboro et tié onumbar kombali et fadane ambassadeur numéro 9 et tout yalentu tié o ma soya nini et puis a tora bonki ala yalentu tié o konki royal la balopo. On suis chef coutumier nasuli tadano yembra o yemboro. Je suis porte-parole du roi chef de guerre. Voilà, je suis un homme de culture, un homme de lettres. Je suis ici à Fadane Gourmand au quartier numéro 9 et je ne travaille que sur le gourmandisme, sur l'ensemble de toutes les caractéristiques qui démontrent la vitalité d'une communauté. Je ne travaille que sur ces éléments-là dans le domaine vraiment des gourmandisme. Tout le monde sait que vous êtes THV et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça avant qu'on parte à la découverte de l'initiation en pays gourmand? Je suis effectivement THCV par le biais du ministère de la Culture. Ils ont initié les Trésors du Faso. Donc pour la première édition des Trésors du Faso 2015-2016, je reçois la meilleure révélation littéraire de l'Est. C'est un potentiel. Reconnaître que dans toute cette région, c'est moi qui suis le meilleur écrivain. Et que jusqu'à l'instant où je vous parle, il n'y a pas eu un accompagnement digne de ce nom pour nous permettre de pouvoir vraiment, c'est insultant. Moi, ça, je suis indigné. Ça n'honore pas le Burkina Faso. Surtout que, à mon prix, il y avait des partenaires comme l'ambassade du Japon et celui de l'Allemagne qui sont venus à Fada. Mais ça coûtait quoi de nous mettre en contact pour que ceci-là puisse nous accompagner? Mais le pays étant ce qu'il est. Et ensuite, pour la deuxième édition des Trésors du Faso, je reçois à Bougandé en 2016-2017, je reçois consécutivement le meilleur guide de tourisme. Donc j'ai deux trophées différents des Trésors du Faso. Donc quoi qu'on dise, je suis un THV. Mais est-ce que j'arrive à m'affirmer en tant que trésor humain vivant? Je ne crois pas, parce que il y a rien qui a pu accompagner cette dynamique. Et même quand je suis revenu à l'époque, les autorités locales ici, j'ai tout fait pour que on puisse me permettre de pouvoir faire ne serait-ce qu'une journée pour faire un panel et faire une conférence pour présenter mes trophées et demander leur accompagnement. Ça n'a pas été fait. Donc, mais ça ne m'a pas découragé. Je connais l'humain. J'ai continué quand même à travailler dans mon sens. Et je suis à mon sein. Je suis à beaucoup de manuscrits aujourd'hui, inédits. Que j'arrive à éditer ou pas, de toute façon, c'est un patrimoine. C'est pour mes enfants. C'est pour mon histoire. C'est pour ma région. Et ça profiterait à tous ceux du Burkina Faso. Et ça, j'en suis sûr. Awani iban ke ministère de la culture tayuru bari ntie ministère ya yoro bedentie mamba tiema poko le gnya ya le trésor du Faso. Donc trésor du Faso impo bedem punini ya lentie balalier l'on balalier ni le ci ki baldentie ya lentie liti dian ya kani bayo ogul mon kuku kukuli bion ya bani dian litli kultio ma so yatli gitia tokra yatli gitie yal mba fre fa chon ben gitial ma fre pa blam perma etial kel ba to dans soam gitchon mpia ma Burkina Faso po bi yemmin den te chamba ben te min den gala bal ko kul den jandin le bin li le ngon war bu ko den gwa tien tabwa lierma
Kengogo à Biri, comme il y a Burkina Faso en Kokuli, Ayatua région de l'Est. Yalen tout au tiers maso, et tiers Tora, gitier bon yuarkal, gitier foali, gitier boulot, gitier nima, gitier pono, gitier bali, gitier Tora, gitier liar le blanc yena kankuli. On y a bois, bandit la yena, gilila, gib bandit le foum, gib banu yachuan, gib banu yala pokop den chuala, ban lemin. Bogot en tenni, la kamoko le balgo rego tenni, le balien kankwe building, la on ga balalie la yanin. Tongal lani, bena piokul bantien yala, et ba fri kianini. L'imprimerie, ba piakul bantien al ba fure torni mfri imom ba lia pour pogri soni ya bangi dem ba mom ba ya bangi dem kwali mon kwa ya bangi dem balambori ya mom bandi ba fure ba kul bantien al gichen ndien dile na chu ne parge moni walu le ba tuni gba nugi gba dani gba ka mom mboatien al maso apotien al ndoro potien te bla potien al ndan swampo etien la tora pogtien ya lia bifa bamban ka gulman ke bitifa la mbatiel amola mbatiel mo biti li dara bampon mbanyal o yoro bampon mbanyal. Maintenant nous allons parler de l'initiation en pays gourmand. C'est quoi l'initiation? Alors l'initiation est une école. Ça s'appelle la circoncision. C'est une école initiatique qui permet aux gens d'éduquer, d'encadrer, de soigner, d'orienter, de guider, de conseiller et créer des entreprises à partir de ces jeunes gens qui vont devenir des futurs de demain. Donc, c'est ça l'initiation. On apprend presque tout au camp d'initiation. C'est pour ça qu'on fait 90 jours là-bas. Au tout début, c'était une année 12 mois. Ensuite, ils sont arrivés à 9 mois. Ensuite, ils ont redescendu à 6 mois. Et actuellement, c'est 3 mois. Ça veut dire que dans le temps, dès que vous partez, c'est l'année prochaine que vous allez revenir. Vous revenez avec assez de bagages à même de pouvoir vous accompagner dans toute la vie. C'est comme si vous étiez allé vous faire former au séminaire. Quand quelqu'un va au séminaire, il sort avec tout. Partout là où on l'oriente dans la vie, il va s'en sortir. C'est ça les camps d'initiation. Donc ça se trouve ici à Fada. C'est vrai que dans beaucoup d'ethnies au Burkina Faso ou à l'intérieur de l'Afrique ou même dans le monde, il y a eu des époques comme ça où il y a des civilisations, des cultures comme ça, mais je crois que nous sommes actuellement la seule ethnie qui est encore ce potentiel qui a encore cette façon de faire et qui continue à le faire. Voilà. Donc, il y a au Kwantiaru, Goutier Bangma, Goutier Kyrou, Goutier Findema, Goutier Pagrema, Goutier Oubri, Goutier Bambou Onlo, Goutier Biabetable et Garen le Po, Beba Bandi, Meye Meye Assemble Koukoul, Biagrem le Po, Banger Mama, Beba Bangyal, que vous avez un peu comme Bang. Biyabe gerbe neba o kwanti yo beti binle biyabe gerse gel kele bangwa agwa maliya bangwa agwa mali lob eti bancho malita aya gerle po akan kon ke dana piya pun dana piya yenini la pialin yemi yemen ka kambang yalin ye duniya an ka ban kul pial yel o kwanti yo po mo kwamen yalin ye duniya an ka ban kul pia li tora mo kwamen donc le chelane ke tio maswaru ke tio kwanti yo ke ido kiam dem pia la bi dum bo kial dem pia bin bo kial kil bori tim bugul ma cheben de pia tim de ba kubla ngadil ng ba tiendul. Ok, mais qui, comment ça se faisait, comment l'initiation s'organise? Alors ça s'organise communautairement dans la communauté. Quand le roi donne l'occasion qu'il est temps d'initier, il y a des manifestations, il y a des signes naturels qui apparaissent pour vous montrer que c'est le moment. Donc quand ces signes-là apparaissent, donc les géomanciens vont chercher et le roi va être interpellé pour ça. Et puis voilà, ils vont s'atteler et puis donner une forme à la chose. Donc ça se passe communautairement. Ça veut dire que ce n'est pas une seule famille, une seule personne. Ça dit que c'est des tâches qui sont confiées à beaucoup de familles. Et tous ces gens se retrouvent là-bas pour jouer pleinement leur rôle, selon les tâches qui leur ont été confiées. Et maintenant, recueillir les enfants, les garder là-bas, les former pendant tout ce processus-là, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison en bonne santé. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Une seule personne ne peut pas le faire. Il faut toute la communauté.
Donc, au mas, au conquérou, goutte en l'ayal, goutte au doyal, au conquérou et baba, les pieds n'en de sinanken batienne ou en kabou, comme on quoi. Non, bien, y'a soit quel bilingani, au barbapos, à nous, y'a banchano kiao. Toi, kiao, moi, y'a banchango, n'inankayen, un tidirin yen. On a dit au basolne, on a dit au solne, on a dit au solne, on a dit le coucultam en batani, bamanchano kiao, et gabla, le frucublepo. Bangalen lafia, et bankwelen lafia, inakwelen me bangma, et quelon fambu, et quelen me perma, et quelen yemen sambla, et quelen kei, et quelen akwana, et quelen yalangani, et quelen yalan pa, et quelen yalan kwe, et quelen yalan tiri, gbafri paba, me terma, me bim fampo, ya bifabo montu a jaba, montu bian kubia bokor. Mais vous avez parlé de cas. Ça veut dire que ces jeunes que vous prenez quittent la ville, ils vont où bien le cas se fait en ville? Non, le camp se fait carrément hors de la ville. Par exemple, ici à Fada, à chaque fois, il y a 9 camps. Donc, ça veut dire que chaque sous-quartier a son camp, avec beaucoup de familles qui sont autour de ce camp. Et ça se passe en ville, en brousse. Dès que vous partez, vous ne revenez plus. Vous ne pouvez pas repartir chez vous. Et même s'il arrivait que vous pénétrez en ville, vous êtes masqué et déguisé de façon que personne ne pourrait savoir que c'est son fils, celui-là. Donc, ils vont rester là-bas durant tout ce temps. Et puis, leur priver de toutes les vies sociaux. Maintenant, les inculquer un certain nombre de valeurs capables de permettre à un homme de pouvoir traverser toutes les épreuves. Et c'est pour ça qu'on initie. On initie pour former, forger des gens, pour que vous deveniez des hommes de demain, à tous les niveaux, sur tous les plans. Dès que quelqu'un est initié, si c'est pas qu'aujourd'hui, on est dans ce carcan et tous ces péripéties qui dérangent la tranquillité des gens. Un homme initié est un homme averti. Si on confie un homme initié, la tête de la présidente du Burkina Faso, il va le gérer. Donc, c'est aussi le management. Donc, c'est des valeurs qu'on enseigne là-bas au camp. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, là, on est, au coin qui a retiré que, Bamba Tchangounani, Beba, Gerban Lino Kane, Kultier le Foualini, Nyan Kulpio Kano, Ban Gregbani, Gedir Soualan Kanembato, Ban Tchano Tchir, et Tchano Tchirou, et Gabi Jawaba, et Koub, Ginam Bangaba, Yalen Tuo Tiemi Yemen Kukulia Yal, au Kango Kundampo. Ba ou yate ba gert le nyan po, ou ba tiye mam ge papalo ba ge boron boron mambo ou nan maro ya la ou kan ban ko ne ti ou ya bge. Ou kan koumou, se nga li mwa li en ban touni, ke bang bokuli, ban tchaba, ou go tabe gwa gwa nou dogon bokuli ngo gwa gero na po, len la fia. Na ou kon tiye ou na tiye ou ni ya yal, li tiye ou boul kukuli ya yale, tiye mougul man tiyem kukuli ya yale, la yi ponchel ke yini boul bon tiyan la touna ye liye ni, ke li tiye ya la, ke biyem pangam bangma, ya bangam kaba fri fa dira miyana. Ne le campe dire ba miana ka agro ba mopo a kanfri dire miana ka agro ba mopo la kuli entie yar kala ngan ko mababi yali ye baba ta atino nul ko na agro ba mopo mo wono ba enti so ba kali choko kal mali tie fuali ya tole gitie ma so wa tole e tugule ne bol mon kial oni sa argument ke yeben. Vous avez parlé de valeurs qu'on inclut aux jeunes. Est-ce que vous pouvez revenir sur certaines valeurs? To bankion ya le po bjawaba li yabe la banga li tuoli ngan ci rek parje e banga ti pia de ngan pia woni kul de banga li jun li ngan jun e banga li nying li ngan nying ko ne kul jawa na mwa de banga yalen tuoti o maso ko yetu na kukul de banga yalen tuoti e atora kukul de banga yalen tuoti e ki ya la poko ba banga e ki ya ba banga kal ma banu ya la fi alopo e banga yalen ti me mama me kon men kukul ginan banga e kon yani le yingo bundi yal la panjam kutie panjam poale que le poame yemeni e kalgo ba bunda me yemen don la ne fam kulie la ne don li tie ala que bamba banga ya le poli yabi amo afri won lan kul gi gere gere len lafia ban kul lafia ban lan kul koni ya len ti gala dunia kul tie a pon kul ba banga ba tarna nginya li apo ke be kwani ne bo tie. Donc les valeurs qu'on enseigne au camp, c'est des valeurs inestimables. On vous apprend tout. On vous apprend le respect. On vous apprend comment saluer avec une déférence. On vous apprend l'humilité. On vous apprend l'ensemble des règles sociaux. On vous apprend les totems interdits. On vous apprend également tous les métiers
liées à l'immatériel. Tisser un seco, sculpter, faire de la poterie, faire des dessins, faire de la caricature, jouer le sable, on vous apprend là-bas. On apprend tellement de choses aux jeunes, des éléments qui vont lui permettre, dès qu'il revient dans la communauté, qu'il puisse s'en sortir, quelle qu'en soit l'épreuve qu'il va croiser. Donc, voilà l'ensemble des choses qu'on apprend aux gens là-bas et que il faut vraiment que c'est celui qui part qui peut dire vraiment ce qu'il a appris là-bas. On ne peut pas expliquer tout en un mot parce que c'est tellement riche. Et c'est pour ça que on peut perdre tout sauf ça. Ça, c'est quelque chose propre à nous. Nous allons toujours le garder. Il paraît qu'un peu partout, il y avait et qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ne le font plus. Mais nous, on continue à le faire. Et c'est pour ça, moi, en son temps, on a créé une association où j'étais le vice-président de l'association des maîtres des camps d'initiation. On a travaillé à convaincre le maire à l'époque de faire un système de cartographie dans cette ville en nous donnant des camps, des endroits 5 hectares par camp pour qu'on puisse faire des investissements à long terme là-dessus. Et ça est toujours en cours. Ça va revenir. Les propriétaires terriens avaient déjà dégagé des espaces et on va continuer, quand le calme va revenir, on va continuer pour faire et continuer à l'intérieur de ces camps, reboiser pendant des dizaines d'années des arbres non ligneux pour que ça devienne comme le bangrewego. Il peut avoir l'extension de lotissement où des graines voies vont venir fleurer, mais vous pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du camp, à 5 km, 2 km et demi à l'intérieur. Voilà tous ces projets qu'on avait pour les camps d'initiation. Malheureusement, les contextes depuis les coups d'État se sont enchaînés au Burkina, donc tous les projets tombent à l'eau et nous pensons que quand le calme va revenir, on va revenir à des choses comme ça et puis voir ce qu'on peut faire vraiment de façon pérenne, définitive pour les camps d'initiation ici à Fada. Donc on est et ben que tu n'as pas les jarli, il y a l'embafri, guttori, bebandamba, guttori, bambe, kani, gufri, meri, commune ntorba, banchant, kwanchar. En a quand fait banni à l'élien. A quand fait quoi? N'a n'a pas. C'est bambé ben bambé bata mama. Et pon pon di banya. Le robot bangwa tare quoi? Non, t'es pied à l'assemblée et que boitien. Que le man yemen yavre que te marie abrieni. Que m'diem di areni. T'y a si en kanyendu. Lia tcha tcha. T'es barbe banyan nou. Y'a pas l'ya y'a perm bien nou. T'es m'lien adoré encore en yakon. Lia poe que t'en sien. A matin en chuchu que le boanae. Dinda genata a quoi quoi regena mama diena gena mirmi de bor bor beneba. Y'a bangwa fi. Y'a yelkan. Wam piyal wam mayal kan kutiba ba parti ba fritua e ba wam bien yale bien le kan gitono wanya ngo kanu yeni e ban champo to tin frigetien o tin atu la wamba tien ti pia parti ba fritien ti lanwani a we ba ka de yeni be a fama kan kan akan ten kala ti million bom liye ama di le bom bom kuta million bom mu li ya yela yeni be batena bia bigi so la pon be batena nyana li yeni amba amba garna kan ni bangwa tal gitieni e mante ma so po mbi me fam ti blatu ni milen ti parampo ti mom ma so ba fore ngati yali ndabore yapo. Vous avez dit que l'initiation se poursuit toujours dans le gourmand. La dernière initiation date de quand? La dernière initiation date de 2017, 14, je vois pas, quand le 2014. Voilà, date de 2014. La dernière initiation date de 2014, où nous avons eu seulement l'accompagnement de la mairie par le biais du maire Loiri Yedfima Jean-Claude dans son temps, qui était le maire de Fada, qui a accompagné. Et c'est avec lui d'ailleurs qu'on avait scellé tous ces projets pour cartographier les choses et puis canaliser. Malheureusement, ce chamboulement a fait qu'ils sont tous partis, donc on a fini par laisser tomber. Sinon, ça venait presque tous les 9 ans.
et puis en temps ça venait à 6 ans ou 4 ans. Ça dépend du moment où les signes vont se... Même tous les semaines, l'année passée, les signes ont annoncé et on a fait faire un communiqué par le gouverneur pour empêcher que ça ne vienne. Mais ça tenait que ça s'est eu quand même, ça s'est déroulé quand même dans les villages environnement de Fada, mais pas à l'intérieur de Fada. Parce que si ça venait, ça allait être compliqué. Voilà, donc c'est sur ça que nous sommes et nous pensions que quand viendra le moment, nous allons nous atteler pour vraiment revaloriser la chose et puis réasseoir la chose comme il se devait et puis bon continuer comme si rien n'était. Là on est, y a quand il y a un pendé, notamment au pendé 2014. En 2014, il y a quand il y a un pendé, le dar retient. Donc là, quand retient, moi là, on va pas que les retient y arrive. Quand ma là y a ni ne que au quand il y a un pendé, le tien ni, tu n'as pas que mairie le tien ti. Bon mairie, moi là, y a le soir que l'ouari Jean Claude ouane le tien mairie, le tien ti lieni. Ou on goûte un truc que tu vas y appeler là, bah y a premier, que bah frère tien ti quand il y a un camp, bah y a un état que l'état bon à mumu. Ou on va pas partir y a partenaire mais y a un batteur ti. Bon là, y a quand t'es au coin, au coin, bah quoi ben lignale yabe yabe bwana ene tengalan kan donc gutien to le ba bori at la ba bli oti aban pon kan yandu amgwani katugo gwarata yabe yel kani wan yo boyal kuli te ba pao ga o kanu ene gutieni me fam o di opia di na yo opia on utiri yo ba nyamba bombi ka bancho abigi ban le kan fomen de mama on maldi le fomen de mama bancho le gene pao aya wanya nga o do yabe le bedel nyala kan e boati no konchi yon langu gwatu na kan kalbati no konchi yo e to foma bla kul po to fomen bi me fama o ma so on d'abord yapo. Sur l'initiation, voilà ce que j'avais comme question. C'est pas si vous avez quelque chose à ajouter sur l'initiation. Ok, la question que, enfin, l'initiation, pour moi, c'est quelque chose de très bien. C'est très indispensable parce que bien avant l'arrivée du colon, les Gourmandchés avaient leur organisation propre à eux, une certaine classification qui leur permettait de communiquer, de partager tout ça et tout ça. Donc, l'initiation en fait partie. Donc, ça fait partie de l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation de l'enfant, donc l'initiation était bien. Il y avait l'initiation féminine aussi, des filles aussi, qui n'a rien à voir avec l'excision. L'initiation féminine des filles était ici, qui permettait aux jeunes filles de savoir qu'elle est mature, qu'elle est dans la période, qu'elle doit se coucher comme ça, que si des hommes l'appellent, elle doit venir comme ça, elle doit s'agenouiller comme ça à cette position, vers ce côté-là, pour ne pas indigner les gens avec ses intimités. Donc tout ça, et permettre à la jeune fille de comprendre que chaque fille est faite pour enfanter, engendrer. Comment tu entretiendras ton enfant? On confectionne un bébé, on remet à la fille, et durant tout le processus de combien de temps là, tu vas garder le bébé là. Tu bois pas de l'eau sans donner d'abord au bébé, tu manges pas sans donner au bébé, tu vas te coucher avec le bébé à côté, et si au milieu de la nuit, tu te retournes, tu te couches sur ton élément là, sous forme de bébé là, ce sont les maîtres là, les maîtresses là, elles vont te fouetter pour que tu te réveilles. C'est pas comme ça qu'on a traité un bébé. Donc, elle va grandir avec cet esprit. Donc, voilà, il y avait l'initiation des filles. Mais dès qu'on a dit que l'excision n'est pas bien, les gens ont ramassé tout à les jeter. C'est pas tout qui était mauvais. Voilà un peu ce que nous déplorons. Et nous pensons qu'avec l'ouverture de ce centre dont je suis en train de parler, il y a beaucoup d'éléments qui vont revenir. Voilà, pour permettre aux gens de revoir comment est-ce que les communautés vivaient dans le temps, presque dans tous les domaines donnés, avec quel élément bien sûr. Voilà, c'est surtout ça, parce que surtout ceux dans le temps vivaient avec pratiquement rien, il n'y avait pas d'argent, avec des moyens d'échange, mais quoi qu'on dise, c'est resté quand même, c'est resté dans l'immatériel, les matériaux sont partis, mais on peut essayer de rematérialiser, et puis voilà, sacraliser ce qu'on a à faire, pour que ça puisse faire l'objet maintenant de bonnes suites pour les générations qui vont venir. Donc là on est ngo wanke mo monde baba bu pou mko ya kwanchia ode ye bu pou kwanchia one ye ni bandi ye kari joren ka nga ka tan tal kuli banlun na ya ka bu pou kwanchia wu ngunande ngani e ba ta bon pula gitamba ge yakuba wa mbamba adwa mama wa mbamba chomam wa ni obina ban puna yoko ba lari o yonu wa mba kubo yul mama wa na be jaba yino wa mba chwa mama wa mba gba mama wa laba jawab ka wa mba chwa pen mama onye wa ba duwa wa mba duwa mama wa kan tuwa bini lebeti duwa mbiya rangi ban duwa ya duwa ni kulbi ba wano wa ti bini lebeti duwa mba puwa fundo onye wa ni wano itake bigi teno wa na bigina atiye po marama kubarifa ababla bigi tiena akanyo nye meka akwa nyono akanyo jie meka adino abadu
duanga tao balo aba nena ba duala abige ama bia tu fono yansu yugo ba guan ba iswa kaya bon pokon binde ba nyano buga ba pwole ni oselo ifu mga ngal wangfunde e banako ni sali duwa nyano buga lo ba yabrak lani yoyo yulin luku den tietunde lani tietunde yeni kwe din la kati jawani chua kaptan talo kuliban luni temontama que tempiel sambli ale bo alore ni oti a dani etun tiam bagwa ntar tiam bagwa lkani asambi tiama bon tiala bagwa lkani bene bengwa bandi yorba bon kuli ban tieni yali apo le nan dem pian ya foma dun yapo. Merci madame monsieur pour l'écoute, c'est tout pour ce numéro de patrimoine culturel. Merci, à la prochaine pour un autre numéro. Aujourd'hui nous avons parlé de l'initiation en pays gourmand.